Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Pierre Ménès dans le stade Odromo pour vous commenter cette rencontre. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on dit que ça devrait être sympa. Ouais, là-dessus, je m'en fais pas trop pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Benjamin Mendy. Number 10, José Callejón. Number 7, Kanté. Number 11, Douglas Costa. Number 23, Gary Welbeck. And number 9, les matchs s'enchaînent cette saison et rien ne semble perturber cette équipe. On dirait que la machine est lancée, que rien ne peut la contrecarrer. Ouais, ça devient bien compliqué pour les autres équipes de suivre une telle cadence. Hein. La proposition de l'équipe locale qui s'affiche. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. De plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Thierry Chapierre, je cite vos propos tout à l'heure. Hors antenne, quand on est arrivé, vous avez prononcé cette phrase assez historique. Vous avez dit « Orso, c'est un bouston ». Ouais. Et je peux te le confirmer maintenant à l'antenne. Orso, c'est un bouston. L'équipe qui s'était imposée à l'extérieur lors de sa dernière sortie. L'équipe avait gagné 2-1, c'est vrai, Hervé. Et cette fois-ci, un nul me paraîtrait plus logique. Chaka. Non, elle est interceptée, cette passe. Il faut être costaud hein, pour protéger son ballon comme il le fait. Les 30 derniers mètres. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. La bonne tête. Hein. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Mbappé. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Allez, il y a du monde pour reprendre. Kimmich. Masuaku. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Paolo Dybala, ouais, le bon ballon en profondeur. On va mettre ça là. Oh, c'est bien donné ça. Ah, c'est pour Dybala. Ah, il n'a pas réussi à la rabattre. Non, il a mal jugé la trajectoire, sinon il était plutôt bien placé. N'Golo Kanté. Il cherche un coéquipier dans la surface. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Attention, pas commettre de faute. La passe est interceptée. Attention, ça peut être dangereux. Masuaku. Alors le ballon est perdu. Bonne lecture du joueur, du défenseur, bonne interception. Mbappé. Masuaku. Un bon ballon d'attaque. La passe de N'Golo Kanté, mais elle est interceptée. Kylian Mbappé avec Neymar. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. Un peu, mais hors jeu.
peut-être une bonne opportunité. Attention. Il avance encore. Et ce ballon qui est perdu. Ah, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Petit aveu d'impuissance quand même de cette frappe très lointaine. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. Bonne passe de la tête. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Et l'arbitre qui siffle faute, carton jaune. Sané. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Oxford. Sané. Allez, peut-être une bonne occasion. C'est Calerone. Kanté. C'est Calerone. Le ballon qui lui reste dans les mains. Bien joué. Le travail de monde pour presser. Il s'avance vers la surface. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Daniel, un super exploit du gardien sur ce plongeon. Busquets. Busquets. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Ce sera pour Luis Suarez. Et ça part très loin avec ce dégagement. Busquets. Douglas Costa. Allez, dans la boîte, il y a du monde. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match. Les buts manquent cruellement, hein, 0-0 pour le moment. Bon, personnellement, je m'attendais à mieux de la part de ce joueur dans cette première période. Vous êtes d'accord, Pierre? Moi, je trouve qu'il a été transparent, pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en grande période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. Allez, les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse, c'est parti. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Ouais, faute, l'arbitre a tout à fait raison. Le roi Sané. Paolo Dybala. Chaka. Il repousse le tir. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Masuaku. Allez, dans le couloir. Neymar. Allez, le centre maintenant. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Neymar. Non, non, il n'ira pas plus loin. Très bonne intervention défensive. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Oh, c'est Cameron. Elle a remonté du terrain qui se poursuit. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Mbappé. Il va mettre ça là. Ah oui, il cherche un. Il peut marquer Dybala. Oh là là, quelle occasion! On a bien cru au premier but. Ouais, on a cru qu'il allait enfin ouvrir le score, mais finalement, non.
Ça s'agite autour de l'arbitre. Que va-t-il faire? Sané. C'est contré par le défenseur, dommage. Parce qu'il trouve un joueur, mais c'est pas adverse. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Attention, il n'y a plus que le gardien. Ah, il a levé son ballon. Avec Neymar balle au pied et donc danger. Ouais, voilà le but, on le sentait venir, et il est là. Et cette équipe qui prend l'avantage, c'est mérité. Maintenant l'idéal, ce serait de confirmer. Et pour une fois, il a marqué de son pied le plus faible. Hein. C'est peut-être ça qui a surpris le gardien d'ailleurs. Il ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il frappe aussi bien dans cette position. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Goal for the visitors. Number 10, Busquets. Neymar. Benjamin Mendy. C'est Douglas Costa qui est alerté sur l'aile. Et Suarez. C'est dans le paquet. Et Suarez. Luis Suarez, El Pistolero, l'un de ses surnoms, il appelle Dracula aussi, certains. Oui, enfin, vu le nombre de buts qu'il a marqué la saison dernière, on pourrait plutôt l'appeler El Mitrailleto. Hein. Kanté. Williams. La belle interception de N'Golo Kanté. Et ce sera une touche. Chaka. Masuaku. Attention, il a du champ devant lui. Dans la boîte, il y a du monde. Oh, ça passe juste au-dessus. Oh, très bien joué cette tête. Hein. C'est même franchement nul. Non, elle a été interceptée cette passe. Neymar. Kylian Mbappé. Allez, occasion, occasion pour Neymar. Ah, dommage, c'était une bonne opportunité, mais le drapeau s'est levé. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser, il reste encore du temps. Sané. Masuaku. Peut-être une bonne... Un ballon dangereux, car il y a Neymar. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. En mise en touche. Paolo Dybala. Kimmich. Attention, faut pas laisser l'espace comme ça. Attention. Oh, le ballon. Un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Ouais, la faute, mais ça joue, dit l'arbitre. Et il peut toujours revenir à la faute si ça donne rien. De la tête, bien joué. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Un bon ballon d'attaque. Intervention décisive du défenseur. Neymar. Dybala, oh le but peut-être. Les gardiens, c'est pas fini. Kylian Mbappé. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Et ben non, toucher le défenseur en dernier, ce sera donc un corner. Ouais, il a réfléchi, il a hésité l'arbitre. Et bon bah au final il s'est décidé. Ouais, carton jaune. Ah non, pas là, le ballon est perdu. On entre dans les 4 dernières minutes de cette rencontre. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Ah, ça a pu marcher, mais c'est mal dosé. Oh, le gardien chanceux. Oh, la chance du gardien. Ouais, elle était plutôt bien exécutée, à quelques centimètres près, c'était dedans.
Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle, qui pousse. Ouais, ça pousse là, il reste peu de temps pour recoller au score. Sergio Busquets. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. C'est la toute dernière attaque, je pense. Luis Suarez solide. Il cherche un petit pied dans la surface. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Et voilà, les 3 coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini. Ils ont pris les 3 points dans ce match, c'est très bien sur le plan comptable. Évidemment, il va falloir confirmer. Vous tirez quelle conclusion de la partie et de la prestation de Neymar ? Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Puis il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.